Comment utiliser correctement le verbe en portugais? Troisième partie ou troisième vidéo consacrée à ce thème, thème à propos du verbe, de son emploi. Et dans cette vidéo, dans cette dernière vidéo, nous verrons de quelle façon certaines particularités peuvent être importantes dans la conjugaison du verbe. Comme dans les vidéos précédentes, nous avons pu voir. Aujourd'hui, nous considérerons certaines particularités, certains aspects montrant certaines règles, certains principes, mais aussi certaines exceptions nécessaires et tout aussi importantes dans la compréhension du verbe, dans la compréhension de la langue. Alors, je vous montre cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait, comme vous en avez pu vous en apercevoir, par une explication de la langue, bien évidemment, mais également en touchant à certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays, puisque, comme vous le conviendrez, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à quelques notions de grammaire et à l'acquisition de vocabulaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, l'invitation que je tiens à vous faire est de pouvoir vous abonner afin de tirer profit des quelques explications que je vous donne régulièrement. Donc, pour ce qui est de cette troisième vidéo, de cette dernière vidéo consacrée à l'emploi du verbe, voyons alors ce que nous pouvons dire. Nous avions pu déjà considérer certaines formes, certaines particularités, et aujourd'hui ne sera pas exception, donc nous terminerons ce thème en analysant ou en considérant certaines particularités, certaines questions orthographique à propos de certains verbes. Par exemple, commençons par les verbes qui se terminent en « ear » et « iar ». Si le verbe se forme à partir d'un mot sans « i » dans ce qui vient après le radical, donc n'ayant pas de « i » dans cette partie, ces trois dernières lettres, pour ainsi dire, donc ce qui vient après le radical, s'il n'y a pas de i, si le verbe ne se forme pas à partir ou avec un i, pardon, alors le verbe s'écrit avec un e. Donc, si vous avez un mot dans la même famille du verbe, comme bomba, bombe, vous obtenez le verbe bombear. Coche, qui veut dire boiteux, vous obtenez le verbe boiter, couchear. Donc, dans la mesure où vous n'avez pas de i, le verbe se forme à partir d'un mot qui n'a pas de i dans ce qui vient après le radical. Si vous n'avez pas de i, alors il se forme avec un e. Bombe, bombear, couche, couchear, gigante, donc géant, verbe gigantear. À l'exception néanmoins de certains mots comme bref, bref, vous donne le mot breviar. Donc ici vous avez déjà un i. Bien qu'il n'y ait pas de i dans ce qui vient juste après le radical, pour ainsi dire, ces trois mots sont des exceptions. Et là, vous avez un i dans la formation du verbe. Complice, complice en français, vous donne le verbe complicia.
Lume, qui est feu. Feu qui peut être traduit également par le mot fuoco. Ce sont deux mots dans des contextes, pour ainsi dire, différents. Mais lume et feu veut dire feu. Et vous obtenez en formant un verbe allumiar. Si le verbe se forme à partir d'un mot avec un i dans ce qui vient après le radical, donc le contraire à présent, alors le verbe s'écrit avec un i. Angustia, angoisse. Verbe angustial. Remarquez que pour ce qui est du nom, vous avez un accent et dans la formation du verbe, vous ne l'avez plus. Assobio, qui est un sifflet, sifflet, sifflement, vous obtenez le verbe assobiar, siffler. Massio, qui peut être traduit comme doux, doux au toucher. C'est cette sensation douceur contraire à âpre. Voilà. Massio vous donne le verbe emmassia. Pour ce qui est des verbes en éal, les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif, et du subjonctif présent s'écrivent avec ei, comme dans le verbe boiter, couchial. Vous obtenez au présent de l'indicatif coucheio avec un x, coucheij, coucheia. Première personne du pluriel, couchiamj. Deuxième du pluriel, couchiaj, il ou elle coucheio, ils ou elles coucheio. Puis le subjonctif, couchei, coucheij, couchei, couchiemj, couchiej, couchei. Il en va de même pour la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième du pluriel de l'impératif. Couchei, couchei, couchiemj, couchiai, couchei. Les verbes en iar présentent en général des formes régulières, écrites avec i. Ce qui est le cas de siffler, du verbe siffler, comme nous avons pu déjà le voir un petit peu plus haut. Assobiar, donc siffler. Je siffle, assobio. Tu siffles, assobiej. Il ou elle siffle, donc il ou elle assobia. Assobiamj, assobiaj, assobio. Donc, présent de l'indicatif. Subjonctif présent maintenant. Assobi, assobij, assobi. Assobiemj, assobiej, assobiej. Impératif. Assobia, assobi. Assobiemj, assobiej, assobiej. Donc, pour ce qui est de l'impératif. Il existe des verbes terminant en iar qui se conjuguent de la même façon que ceux qui se terminent en ear. Donc, iar et ear. C'est le cas de insiar, qui est une forme de vouloir quelque chose, désirer. Insiar, eriar, incendiar, incendier, intermediar, qui a donné le mot intermédiaire, donc intermédiaire, mais qui est un genre de médiateur, le verbe ou l'action
d'être un intermédiaire. Voilà, c'est le verbe qui exprime le fait de servir comme intermédiaire. Médial, un petit peu dans même ordre d'idée. Odial, haïr. Remédial, remédier. Ancial, donc au présent de l'indicatif, nous avons anseio, anseij, anseia, anciam, j'anciaij, anseiam. Pour ce qui est du subjonctif, subjonctif présent, ansei, anseij, ansei, anciemus, anciej, anseim. Impératif, anseia, ansei, anciem, j'anciai, il y a des verbes qui admettent aussi bien la conjugaison de ial comme celle de ial. Remarquez que dans ce cas-là, on pourrait dire que les choses se corsent un petit peu, dans la mesure où ce sont des verbes qui, vous pouvez le vérifier, ont pour ainsi dire deux formes possibles d'être conjuguées. Soit vous trouverez dans certains livres, sous la forme avec un i, donc avec la terminaison, comme je le dis ici. Certains d'entre eux sont liés à des noms aux terminaisons atones, donc qui ne sont pas accentués, ia ou io, comme agential, cadential, commercial, diligential, licencial, négocial, obséquial, premial, présidentiel, sententiel. Prenons le verbe négocial, négocio ou bien négoceio. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité de l'écrire ou de prononcer le verbe même avec un i ou bien avec la terminaison e-i ou e-i-o dans ce cas. Dans l'exemple cité, négocio ou bien négoceio. Ce sont deux formes parfaitement acceptables. Subjonctif présent, négocie ou bien négoceis. Impératif, négocie ou bien encore négoceis. Pour ce qui est des verbes terminant en gil et gil, le G laisse la place à un J avant un A ou un O, mais pas avant un E ou un I. Prenons le cas du verbe abringer. Nous obtenons au présent de l'indicatif abringe, abringe, abringe. Abringe, pour ce qui est du subjonctif présent. Abringe, abringe, abringe. Donc, en ce qui concerne le présent de l'indicatif, nous voyons que devant un A ou un O, nous avons un J. Devant un E ou un I, nous obtenons un G. Donc le G reste en place. Prenons le verbe agir. Agir en français également. Age avec un J. Âge, âge. Subjonctif présent. Il en va de même. Devant un A ou un O, le G laisse la place à un J. À l'exception d'un E ou un I où le G se maintient. Âge, âge, âge. Considérons maintenant les verbes terminant en guer et guir. Le
GU ou GU se transforme en G avant un A ou un O, mais pas avant un E ou un I. Erger. Prenons le verbe erger. Ergo, ergsch, erg, présent de l'indicatif. Voyons maintenant le subjonctif. Première personne du singulier, erge. Deuxième personne du singulier, ergesh. Troisième, erge. Conseguir, verbe réussir. Verbe qui veut dire réussir. Consigo, consegues, consegue, pour ce qui est du présent, de l'indicatif. Subjonctif présent, consigue, consigues, consigue. Prenons maintenant le cas des verbes terminant en OAR et OUAR. Donc, OAR, puis les verbes qui se terminent en UAR. Pour ce qui est des verbes terminant en OAR, OAR, les trois premières personnes du singulier du présent de l'indicatif finissent en OA, OH, OA, sans accent circonflexe. Et les verbes terminant en OUAR finissent en OO, OH, OA. Par exemple, pour ce qui est des verbes terminant avec un O, A, R, OUAR. Perdoar, pardonner. Perdo, donc présent de l'indicatif. Yo, perdo, je pardonne. Tu pardonnes, tu perdoes. Il ou elle perdoe, il ou elle pardonne. Perdo, perdoes, perdoe. Voyons maintenant le cas du verbe habituel, habitué, qui se termine par la terminaison UAR, UAR. Habitu, habitues, habitue. Le verbe couar, qui veut dire non, je ne suis pas sûr, mais c'est par exemple le verbe que l'on... Il sous-entend l'idée de filtrer. Ce n'est pas en soi tellement l'idée de filtrer, mais par exemple, lorsque vous avez... du marc de café dans une tasse et vous voulez l'ôter, vous voulez simplement prendre votre café sans avaler le marc, alors vous prenez peut-être quelque chose qui puisse filtrer, donc vous obtenez de la même façon votre café, mais le marc reste je ne dirais pas une petite passoire, mais quelque chose qui puisse filtrer et ne pas laisser passer, voilà, ne pas laisser passer le marc de café. Donc, le verbe « couar » est le seul qui prend un accent circonflexe à la deuxième et à la troisième personne du présent de l'indicatif et à la deuxième personne du singulier de l'impératif. De cette façon, ces formes ne se confondent pas avec la contraction de la préposition « quand » et l'article défini féminin « a » ou « h ». Donc « a » singulier, « h » féminin pluriel. « Tu coach » donc deuxième personne du singulier, il ou elle koa, koa, donc
en opposition avec le pluriel qui pourrait être, voilà, pourrait être confondu d'autant plus avec la préposition « quand ». Aux troisième personne du présent, ou aux trois premières personnes pardon, du présent, du subjonctif, les verbes qui terminent en « oar » et en « ouar » ont les terminaisons « oj »,« oj », « oj » et « ou », « uj » et « ou ». « Pırdıvar », donc subjonctif présent, « pırdıvar », pardonner, « pırdo », « pırdo », « pırdoj », « pırdo », « habituar », habitué, « habitu », « habituj », « habitu ». Verbe terminant en « oer », « oer ». Pour ce qui est des verbes terminant en « ouer » comme « douer », « douer » voulant dire je vous donne lorsque, dans la plupart des cas, si je ne fais pas toujours la traduction, ce sont des verbes qui n'apparaissent pas autant de fois comme aussi souvent que d'autres. Mais bon, je pense qu'avec un bon dictionnaire ou sur Internet, vous parviendrez à trouver le sens d'un mot, la traduction d'un mot. Donc, je vous donne, pour ainsi dire, les plus utilisés. Voilà. Les plus utilisés, les plus importants. Douer. Douer veut dire faire mal. Donc, quelque chose qui nous fait mal. On utilise le verbe pour quelque chose ou pour exprimer cette sensation. Doy makabies. J'ai un mal de tête. Voilà, on ressent de la douleur. On a mal. On utilise ce verbe. Conduer, qui est un verbe qui se construit à partir du verbe douer. Courouer, ijmouer, mouer, rouer. Rouer voulant dire ronger. Un peu comme courouer, ayant donné. Ou pouvant le deviner en français, corrosion, voilà. Courouer est le verbe qui décrit cette situation de corrosion ou l'état de corrosion. Donc, pour ce qui est de ces verbes, la première personne du singulier, du présent de l'indicatif n'a pas d'accent. Mais la deuxième et la troisième prennent un accent aigu. Donc, mouer. Mo, moj, moj. La troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif s'écrit sans i. Moj. Verbe terminant en oyar. Pour ce qui est des verbes terminant en oyar, la diphtongue oy est gardée pendant toute la conjugaison. Ayant des cas où on lit oy avec un o ouvert ou oy avec un o fermé. Avec l'entrée en vigueur de l'accord orthographique de 1990, donc le dernier accord de l'orthographe au Portugal. Je pourrais, j'en parle depuis, je parle maintenant depuis un certain temps de l'accord de l'orthographe de 1990, je pourrais peut-être dans une prochaine vidéo
aborder un peu ce sujet afin de comprendre son importance ici au Portugal. Dans certains cas, il y a pu avoir une transition plus ou moins polémique, dans la mesure où parfois il n'a pas très bien été bien reçu. Donc, mais bon, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai cet aspect. Mais bon, avec l'entrée en vigueur de cet accord de l'orthographe, du dernier accord orthographique ici au Portugal, même quand la diphtongue se lit oi et elle est tonique, ces formes ne prennent pas d'accent. Par exemple, boiar, qui veut dire flotter. Boi, boyesh, boye, boyamj, boyaish, boyon. Pour ce qui est du subjonctif, boy, boyesh, boy, boyamj, boyaish, boy. Les verbes aboyar. Et là, j'attire votre attention pour ce verbe qui peut avoir plus d'un sens. Voilà. Donc faites bien attention. À nouveau, le conseil que je peux vous donner est de vous situer dans le contexte afin de savoir lorsque vous avez une ou plusieurs difficultés, essayez de vous situer dans le contexte. Donc les verbes aboyar, qui veut dire, tout du moins dans cette explication que je tiens à vous donner, veut dire attaché à une bouée, être attaché à une bouée. Amoyar, donc que ce soit aboyar ou encore amoyar, Comboyar, Engoyar, Enjoyar, Jiboyar, Troyar, ces verbes se conjuguent comme boyar. Donc, comme nous avons pu le voir un petit peu plus haut, verbe boyar qui veut dire flotter. Si la diphtongue, néanmoins, si la diphtongue se lit oi, elle ne prend jamais d'accent, même si elle est tonique. Comme c'est le cas de apoyar, apoy, apoyesh, apoy, apoyamj, apoyaij, apoyam, présent de l'indicatif. Subjonctif, présent, apoy, apoyesh, apoy, apoyamj, apoyaij, apoyam. Les verbes aboyar, mais maintenant avec un tout autre sens, avec le sens travailler avec des bœufs. Donc, ce verbe peut signifier dans un contexte attaché à une bouée, comme vous pouvez le voir ici, mais dans un autre contexte, il peut vouloir dire travailler avec des bœufs. Et dans ce sens, les verbes aboyar, arroyar, assaloyar, assaloy, pardon, désapoyar, poyar se conjuguent comme apoyar. Maintenant, voyons les verbes qui se terminent en ouïr. Pour ce qui est des verbes terminant en ouïr, comme affluir, affluer, attribuer, attribuer, concluir, conclure, confluir, influir, constituir, contribuir, polluir, donc constituir, constituer, je pense que vous aurez pu le deviner, contribuer, contribuer, polluir,
ayant donné le mot pollution, polluer. La deuxième et la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, donc la deuxième et la troisième personne du singulier, tout cela au présent, et la deuxième personne du singulier de l'impératif s'écrivent avec un i. Attribuis, attribuis. La première et la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif prennent un accent aigu. Attribuimus, attribuimus. La troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif s'écrit sans i. Attribué. Nous avons pu déjà le voir un petit peu plus haut, mais ici aussi, à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, nous n'avons pas de i. En ce qui concerne les verbes construire et détruire, donc construire et détruire, la deuxième et la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, bien évidemment, ont deux formes. Donc, c'est un autre verbe, un autre mot ayant deux formes. Une qui suit la conjugaison des verbes en ouïr et une autre qui suit la conjugaison des verbes en ouël. Prenons le cas de construire. Construis-je ou bien construis-je? Construis ou bien construis. Construis ou encore construis. Donc, dans tous les cas, l'une comme l'autre sont valables, sont acceptables, sont correctes. C'est juste une question de savoir qu'il existe deux formes. Prenons le cas maintenant du verbe destruire, détruire, destruis ou encore destroys. Destruir ou destroy. Ou encore destruir ou destroy avec un O. Verbe terminant en ousir. Toutes les formes des verbes terminant en ousir sont régulières. Régulières à la troisième conjugaison, à l'exception de la troisième personne du singulier, du présent de l'indicatif et de la deuxième personne du singulier de l'impératif. Voyons un exemple. Qu'on douche, de douche, conduire, déduire, introduire, produche, produire, se douche, séduire, pardon. Tradouche, traduire. Donc, vous voyez que ces formes sont régulières, mais il y a quand même une exception à la troisième personne du singulier du présent, mais également à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Voyons une dernière note, un dernier petit rappel. Avec l'entrée en vigueur de l'accord orthographique de 1990, on vérifie encore aujourd'hui les changements suivants. Les verbes de la première conjugaison deviennent accentués de façon optionnelle à la première personne du pluriel du pretérito perfect. Donc je vous ai mis entre guillemets. Dans la mesure où ce n'est, on ne peut pas dire, je pense, que c'est le temps équivalent ou le temps qui est le même en faisant la traduction, mais c'est plutôt l'équivalent du passé composé français. Donc, à ce temps, nous obtenons passamos ou encore passamos avec accent ou pas. Donc les verbes de la première conjugaison deviennent accentués de façon optionnelle à la première personne du pluriel,
de ce temps, donc passé composé de l'indicatif passage ou encore passage, avec puis sans accent. Les verbes terminant en guar, quar ou quir, qui présentent deux paradigmes de conjugaison, soit ils perdent l'accent graphique, mais pas tonique, du U, soit ils accentuent de façon tonique et graphique les voyelles A et I, radical, avrigu ou bien avrigu. Remarquez que la prononciation est légèrement différente. Avrigu ou bien, avec accent, avrigu. Donc il y a une différence en fonction de l'accent sur ce mot. Enfin, les verbes ergil et redergil perdent l'accent sur le U. Donc je vous ai mis ici un U avec accent. Les verbes ergil et redergil perdent l'accent sur le U. Erguish, ergi, argi. Redergish, redergi, redargi. Donc je pense que voilà, c'était quelques explications en ce qui concerne cette dernière partie. Peut-être un petit peu confus dans la mesure où cette vidéo a été faite pour compléter les deux précédentes, particulièrement avec des exceptions, des règles, mais comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, des exceptions, certaines particularités, mais j'avais aimé, je préférais vous donner une explication complète, une fois de plus. Je préfère, dans certains cas, dans la mesure du possible, essayer de vous simplifier les choses, mais en même temps, être assez complet dans l'explication que je vous donne, afin que vous ayez ou que vous puissiez avoir les outils ou les connaissances nécessaires pour bien appliquer cette question de l'emploi du verbe, l'emploi correct du verbe. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un petit pouce, ce sera toujours assez sympathique de votre part, et ça me permettra également d'avoir un retour de ce que vous pouvez penser de ces vidéos, ou encore de savoir, avoir un retour de vos besoins en ce qui concerne certaines particularités du portugais, notamment en ce qui concerne l'orthographe, la grammaire, la conjugaison des verbes. On y viendra dans d'autres vidéos. Mais voilà, ce sera pour moi toujours l'occasion de partager avec vous, mais également d'avoir un retour de vos besoins. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je publie régulièrement par semaine. Encore une fois, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.